Salam, un beau dimanche, ensoleillé parmi les jours de confinement. Le ciel couleur sublime, aucune trace de nuage par rapport à l'habituel. Dire que le confinement a bien fait son ménage, son effet positif sur le ciel, la terre. Les oiseaux déjà, ils en profitent. Nous aussi. Même si c'est dur, très dur pour des personnes qui sont seules, habitant dans une chambre, une pièce. On pense aux molécules d'oxygène détruites par la pollution et dont on a beaucoup besoin. La plantation, la terre et la source. La nature est belle et bien faite pour l'homme, pour la vie de tout être vivant. Le confinement, c'est une petite pause pour laisser le bienfait de l'homme se reproduire et se reconstitue automatiquement. Un arbre cerisier en plein fleur. Vous dire qu'on est dans une nature sauvage. Surtout, c'est ce coin-là qui est plus sauvage, dans la commune de Saint-Sulpice et dans la préfecture au Puy-en-Velay, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on va continuer après, toujours avec les noyaux et les coques de fruits de ce que j'ai trouvé comme objet
précieux de la nature. Le confinement, c'est aussi un moment pour poser la question, être humain, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es conscient de ce qui se passe autour de toi? Est-ce que tu es conscient de la vie autour de toi? Est-ce que tu es conscient de la terre qui te porte? Quand tu marches, quand tu cours, quand tu es endormi, te nourrit, qui te rapporte beaucoup. Est-ce que tu es conscient de la vie en plein ciel qui te donne l'espace pour voler, même avec les yeux, pour aller plus loin et rêver qu'un jour on vivra dans une planète alors que la Terre elle est là depuis 10 millions d'années et jusqu'à maintenant on n'y arrive pas. On n'arrive pas à atteindre notre valeur, la valeur de la Terre elle-même, le respect vers cette planète, de ce qu'il nous donne. De ce qu'on envoie à elle comme déchets. Déchets de nous-mêmes, déchets de notre fabrication, déchets de notre civilisation. Et on n'a jamais entendu dire chers humains, j'en ai assez de vous. Mais notre conscience est là pour voir et écouter. Prévoir une bonne conscience qu'on aura et qu'on a. Prévoir la bonne réaction en vis-à-vis de nous-mêmes, entre nous, autant que humain, soit famille, avec le soi-même, tout seul, parce que c'est le moment d'être avec le soi-même, de faire la mise à jour et le bilan du soi, le bilan de nous-mêmes, de nos actes, notre vie, notre négativité, et d'essayer de changer et d'échanger positivement avec nous-mêmes, avec au sein de la famille, au sein de la société et vis-à-vis de notre chère planète et de l'espace qui nous a été donné. Oui, l'espace qui nous a été offert. Alors que tout à l'heure, si on réfléchit bien, il arrive qu'il y a une personne qui vit dans une petite pièce, ou même pas, sans abri. Le confinement a servi et sert pour ça. Une pause pour avoir la conscience vis-à-vis de nous-mêmes, de ce qui est tout autour de nous, la famille, la société, la planète et autres. Et tout de suite, si je peux vous, après l'arbre de
des cerises, le cerisier, on a vu les fleurs. Je vais vous faire voir un arbre que je vois de loin. C'est le pêcher. C'est un pêcher. Aussi, il est en plein fleur tout à l'heure. Alors, c'est un pêcher que j'avais planté. Ça fait 6 ans. 6 ans et quelques mois à peu près. Planter, c'est une bonne occupation. Je suis pas dans l'agriculture, mais c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Parmi mes lectures, c'était les lectures sur la plantation, la végétation, quand j'étais très jeune. Ça sert à ça la jeunesse. Profitez-en de lire tout ce qui sert et bon pour la vie. Alors là, tout de suite, je me suis approchée du pêcher, donc c'est les fleurs de pêcher. Donc les fruits, c'est des pêches. Voilà. Donc j'ai profité pour la première fois des bons fruits. Il n'y avait pas assez, mais c'était un délice. Après, je profite pour vous faire voir l'arbre dans les fruits. Il donne des coins. On voit la fleur. Bon, on voit bien les fleurs. Mais parfois il y a le gel, il y a le vent, il y a trop de pluie et ça arrive que à la fin, pas un seul fruit. Sur la pollution, ça joue. Donc je m'approche pour faire voir la fleur. C'est vrai ici. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé que c'est vrai en France, donc ce qu'on fait beaucoup avec le coin, surtout dans la cuisine, c'est le gelée qui fait partie comme la confiture, c'est le gelée de coin, mais on l'utilise pas dans la cuisine comme légume. Alors que nous, c'est connu au Maroc, c'est en même temps c'est un légume et c'est un fruit. C'est très 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 bon pour santé. Alors on profite pour l'utiliser dans le tagine. Alors donc moi je le mets. Par exemple, je mélange, comme je travaille avec elle. J'ai parlé autrefois de pruneaux, donc je mélange les coings avec pruneaux. C'est un délice. Sinon, je le marie avec des légumes, n'importe quel légume. Et à tout le monde, je dis très très bon courage. Connectez-vous, pas que à l'internet, mais à vous-même, à vous-même, à vous-même, à vous-même. Connectez-vous, connectez-vous positivement. Cherchez à changer le défaut.
Confinement, c'est aussi, c'est un moment, si je peux dire, un moment, si on parle de méditation, vers donc de réfléchir, de faire un voyage. Au fond de nous, on a des défauts qu'on ne s'en aperçoit pas, parce qu'on est tellement occupé par la vie même, par au fond de la société, au fond de notre travail, au fond de l'équipe. Le temps, par exemple, à exécuter des tâches de l'activité demandée. Répondre aux demandes des autres. Mais maintenant, c'est le moment. C'est le moment de continuer cette pause, que ça finit bien pour tout le monde et de voir de ce qu'il faut changer et échanger positivement. Et très bon courage. Et après, on va attaquer l'atelier. Et bien sûr, après, ça sera une autre œuvre à lire. Bon courage à tout le monde.